reviens avec une vidéo achat action. Alors j'y allais pour acheter quelque chose en particulier. Je n'avais plus de papier comme celui-ci, le bloc de papier blanc et jaune texturé. Et je suis revenue avec ce que j'avais besoin. Et je suis revenue aussi avec toutes les petites choses à côté dont je n'avais pas besoin. Mais vous connaissez le magasin, donc voilà. Bon, donc pour commencer, je vais vous montrer ce qui n'est pas du loisir créatif, parce que la plupart de la vidéo, c'est que du loisir créatif. Alors, j'ai acheté des petits coffrets cadeaux avec des très jolies boîtes à thé qui coûtent 1,85€. Et il y a aussi, juste au-dessus, un infuseur. Qui est nul, il est en plastique, il est à moitié abîmé et franchement on sait pas quel plastique c'est, donc ça se trouve voilà, c'est pas bien quoi. Enfin, pour moi je n'irai pas infuser mon thé là-dedans, mais je l'ai clairement acheté pour les boîtes parce que franchement pour 1,85€ la jolie boîte comme ça, pour en avoir vu ailleurs c'est beaucoup plus cher que ça. Donc celle-ci en bleu, il y en avait en vert aussi il me semble, vert kaki, et alors celle-là, ah, je l'adore. En noir et blanc comme ça, elle est super belle. Et il y a le dessus aussi qui est décoré, je ne sais pas si vous voyez. Mais... Donc voilà, moi qui aime le thé, ça va être parfait pour ranger mon thé en vrac. Hop, et j'ai trouvé aussi un diffuseur, alors ils appellent ça un diffuseur tropical. Alors c'est la grande mode en fait, les diffuseurs avec les petits bâtonnets comme ça. Et pour en avoir senti, je trouve ça super, mais alors ça coûte super cher. Donc j'ai voulu tester celui-ci qui est à 99 centimes, il me semble. Ah non, 1,49€ le diffuseur. Donc je vais tester. Celui-là, il était au citron. Et il y en avait peut-être d'autres, mais j'ai pas vu d'autres parfums. Donc voilà. Donc ça, c'était pour tout ce qui n'était pas loisir créatif. Et tout le reste, c'est du loisir créatif. Alors, donc pour commencer, j'ai trouvé les cartes avec des enveloppes. Donc, elles sont super jolies. Alors, celles-ci, elles sont couleur, je dirais, bronze. Je ne sais pas trop. Elles sont super belles. Donc, les cartes sont comme ça. Donc, avec du foil dessus. Et les enveloppes, elles sont toutes blanches. Les enveloppes, c'est du blanc. Et alors, je vais vous montrer, il y a différents... Hop, il y a celle-ci. Super jolie. Donc ça, ça fait un peu penser aux cartes de Noël. Mais je crois que... Bon, on a été livré un peu plus tard que prévu. Hein. Donc voilà, celle-ci qui est très jolie aussi. J'aime vraiment beaucoup. Donc il y avait couleur or, mais j'aimais pas beaucoup. L'or faisait peut-être un peu trop jaune. Donc j'ai préféré ce modèle-là. Donc qui coûtait 1,99€. Donc il y a 4 cartes de chaque. Je crois que c'est ça. Donc il y a 24 cartes en tout. Ah non, il y en a 6 de chaque, pardon. 6 fois 4, 24, bien sûr. Hop. Alors ensuite, j'ai trouvé au rayon enfant, donc loisirs créatifs enfant, ces stickers. Alors, c'est pas tant pour ceux-là, mais il y en a qui sont, un peu en 3D. Et je vais les ouvrir pour vous montrer. Ils sont tout plats. Hop, il y a ceux-ci. Mais bon, qui sont brillants. Voilà. Il y a ceux-ci qui sont justement en 3D. Vous savez, un peu... comment ça puffy. Et il y a plein de petits trucs trop mignons. L'ananas. Et les petites glaces et tout, j'ai trouvé ça vraiment très mignon. Hop. Bon, alors ceux-là, ils sont tout plats, basiques. Ça, ouais, bof bof. Et puis il y a ceux-là, quoi. Et ceux-là, j'ai adoré. Ils sont brillants, ils sont beaux, regardez comme c'est beau. Les ananas, non mais... hallucinant, la petite glace, ça irait très bien dans un mini album, les petites glaces là, là le petit mot sweet, ils sont vraiment très jolis, c'est ceux-là qui m'ont vraiment fait craquer, ils sont trop beaux. Et donc ça, je les ai payés, ils coûtaient 81 centimes, vous voyez, pas cher du tout en plus.
Alors ensuite, j'ai trouvé des stickers 3D, comme ceci. Alors, les stickers 3D, ils coûtent 3D, je ne sais plus. Ah si, 99 centimes. Alors, je vais vous les montrer de plus près. Il y a celui-ci. Le thème tropical, je crois qu'il est très en vogue en ce moment. Et j'aime vraiment beaucoup. Parce que j'ai une petite idée. Regardez celui-ci, comment il brille. J'ai une petite idée, en fait, le thème tropical, j'ai des photos qui iraient bien avec. C'est des sorties au zoo. Donc, c'est, ouais, ça m'inspire. Alors, il y a celui-ci également. Donc, brillant également. Vous voyez, avec les glaces aussi. C'est... Donc, ça va bien pour le thème de l'été. Avec des petites glaces. Et il y a celui-ci avec des couleurs que j'adore. Petit appareil photo, là, c'est trop beau. J'aime beaucoup. Donc voilà. Alors ensuite, j'ai trouvé d'autres stickers. Hop. Alors ce sont ceux-ci. Qui sont aussi pailletés. Peu pailleté et c'est pareil, c'est le même thème tropical que les autres stickers avec flamant rose, voilà le tigre qui revient là également. Mais j'ai beaucoup aimé aussi, et c'est ça en fait, c'est toutes les petites bordures. Donc là vous avez un petit oiseau, là c'est super beau, et de l'autre côté il y en a d'autres avec pareil des toucans, des flamants roses, perroquets. Et c'est pareil, la frise ici est super jolie. Avec avec girafe, flamant rose et compagnie. Et donc celui-ci coûtait, je crois que c'est 99 centimes. Oui, c'est ça. Alors ensuite, j'ai retrouvé les pinceaux que j'avais déjà achetés, les pinceaux qui permettent de d'appliquer des encres. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, c'est ma dernière vidéo il me semble, je vous la mettrai en barre d'infos. Donc ça permet d'appliquer des encres comme les Aladdin ou les Easy Ink Aladdin et les Distress aussi. Et donc les pinceaux coûtent, enfin un pinceau 99 centimes. Je les ai pris en taille 12, donc ils sont plus petits que celui que j'avais pris la dernière fois. Mais je pense qu'ils feront le même effet. Alors ensuite j'ai trouvé du washi tape. Alors ils sont super beaux. C'est vrai qu'ils ne sont pas très fournis, on va dire. Il n'y a pas beaucoup de masking tape dans chaque rouleau, mais ils sont super beaux. Alors, j'ai hésité pour le rose, mais avec du gold comme ça, je trouve ça trop beau. Et puis, j'ai pas beaucoup de masking tape rose. C'est quand même super joli. Masking tape, ils sont à 85 centimes chaque paquet. Celui-ci m'a bien inspiré pour, vu que c'est en noir et orange, c'est plus pour le thème Halloween. Vous voyez, c'est marqué Happy and Smile. Et puis, celui-ci à rayures comme ça... Il est vraiment super. Je trouve que pour le thème Halloween, il est nickel, quoi. Alors, du vert d'eau qui est trop, trop beau. J'adore vraiment cette couleur. Et là, avec les petites feuilles en or. Alors là, les petits pois, j'en ai un qui ressemble, mais bon, c'est pas grave. Donc, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de masking tape dedans. Pas très épais. Mais bon, pour le prix... Et ici, avec des chevrons, je dirais... c'est un peu du rose gold, en fait. Ouais. Voilà. Et donc, il y a ici « Thank you » noté sur celui du milieu et les petites étoiles. Ben. Alors, ensuite, j'ai trouvé des embellissements en bois. Ben. Alors, voilà. Alors, celui-ci, je l'avais déjà acheté. Mais, en fait, je trouve que...
J'utilise en fait beaucoup les petits diamants. Ils sont vraiment super jolis, je les adore, et ainsi que les appareils photo. Bon, les autres, je ne les ai pas encore trop utilisés. Ah si, les moustaches aussi, j'aime bien. Donc voilà, je les trouve vraiment très jolis. 99 centimes la boîte d'embellissement. Et puis sur le thème anniversaire, avec les petits cadeaux, le petit gâteau aussi avec des bougies. Je le trouve vraiment super sympa. Le champagne aussi. Et la petite bannière en bois qui est juste trop mignonne. Alors, ensuite, j'ai trouvé des papiers de transfert. J'en avais déjà acheté de l'autre collection. Et j'en ai retrouvé d'autres. Et je les trouve... Mais vraiment, ils ont fait vraiment beaucoup d'efforts dans les trucs modernes, on va dire. Parce que, par exemple, ce genre d'écriture avec des écritures différentes à chaque fois, je trouve vraiment... Et puis, vraiment des mots... super adapté pour du scrapbooking quoi. Hein, regardez Happiness ici, il est super chouette. Hop, ici. Voilà, j'ai pas résisté, j'ai acheté plusieurs parce que franchement tout me plaisait. Je les ai trouvés vraiment nickel quoi. Regardez ça, c'est. J'adore. C'est vraiment... J'adore les tampons texte et tout ça. Alors là, c'était en plein dedans, quoi. Bon, c'est pas des tampons, c'est des transferts. Mais vous savez qu'on gratouille avec le petit bâtonnet, quoi. Alors regardez toutes les petites écritures. J'adore regarder avec les petits... j'aime beaucoup, quoi. C'est super chouette. Et celui-ci aussi, il est magnifique. Hop. Oh, aussi celui-là. You make me happy. Ouais, franchement. Franchement, il va falloir que j'en fasse quelque chose de ces transferts. Parce que ceux que j'avais achetés la dernière fois, je ne les ai toujours pas utilisés. Hop. Alors ça, c'est plus pour... mettre sur des boîtes, vous voyez, cartes, notes, idées, photos. Mais bon, moi, ça me servira dans le scrap sans problème. Voilà, pretty things, là, ça c'est trop beau. Voilà pour donc les transferts qui coûtent chacun 65 centimes. Alors, ensuite, les tampons. C'est vrai que j'en ai pas assez encore. J'ai trouvé ce coffret de tampons. Et j'aime vraiment beaucoup, j'adore les plumes. Alors celui-ci est trop trop beau. J'aimais beaucoup tout en fait. Le petit lapin aussi, pour le thème de Pâques, il est vraiment nickel. Là avec la petite flèche, les plumes, tout est nickel. Ce petit mot, ces petits mots, j'adore. Là il y a un espèce de petit hibou. Et là on a un renne. Ou un cerf plutôt. Voilà. Okay. Hop, ici. Donc pour le thème de Noël, celui-ci. Il est très bien. Et donc, j'ai payé le set 1,99€. Alors ensuite, j'ai trouvé de nouveau les petites cartes en strass. Vous savez, avec le petit crayon qui attrape les strass, le petit crayon magique. Et il marche vraiment très bien. Ma fille, elle a testé parce qu'elle a fait la carte. Et il est vraiment très bien. Du coup, moi, le crayon, je le garde pour moi maintenant. Mais je lui ai acheté un nouveau modèle. Je n'avais pas vu qu'il y avait d'autres modèles la dernière fois. Donc, je lui ai racheté un autre modèle. Donc 85 centimes et la carte finie est super jolie et puis elle est super contente de ce qu'elle a fait. Donc non, vraiment très bien. Je crois qu'il doit y avoir au moins 4 modèles, il me semble, 4 modèles différents. Mais c'est vraiment super. En tout cas, enfin pour ma fille, elle est ravie. Voilà, donc 85 centimes. Hop. Alors ensuite, j'ai trouvé ce genre de petit, comment dire, kit. Donc, c'est pour faire des cartes 3D. Je ne sais pas si vous me suivez depuis longtemps, mais en fait, j'ai fait un mini-album avec ces kits-là, avec un de ces kits-là de chez Action, il y a quelques temps. Je vous mettrai en barre d'infos comment j'ai réalisé un kit avec ces cartes-là. Ils ont sorti du coup des nouveaux modèles. Je vais vous montrer parce que franchement... Ça vaut vraiment le coup d'œil. Ils sont trop beaux. Alors celui-ci en plus, c'est... mais juste magnifique. Moi, je suis... Donc, il y a des petites perles à l'intérieur. De la ficelle.
de la mousse 3D, des petits carrés, et donc des petites cartes comme ceci. Mais regardez comme c'est trop beau là, mais la carte est trop belle. J'adore. Ici, on a des flèches, mais là, ça... J'étais même surprise en ouvrant la boîte parce que je pensais pas que ce serait aussi joli, quoi. Et là, pour faire un mini-album avec ça, là, j'ai envie d'en refaire un comme j'ai fait la dernière fois, quoi. Parce que là, avec ce genre de papier, c'est magnifique. Alors, celui-ci, j'aime moins parce qu'il est trop chargé pour moi. Voilà. Et après, il y a donc les enveloppes. Donc là, elles sont roses, mauves. Voilà, petites enveloppes qui vont avec. Et nous avons les petites découpes. Le Happy Birthday avec le bois derrière, mais c'est juste trop beau. On a celui-ci. Bon, je ne suis pas sûre de tout utiliser, mais il y a... Enfin, ça, j'aime bien quand même la couronne de fleurs. C'est très joli quand même, hein. Je ne suis pas très shabby, mais quelques fleurs de temps en temps, c'est très joli quand même. Là, le panneau ici avec les fleurs, c'est très très sympa. Voilà. Hop, donc ça c'est le premier kit que j'ai pris. Voilà, donc avec les petits oiseaux. Donc, je vous le remontre peut-être. Hop. Voilà. Et j'ai aussi un deuxième kit. Je me suis dit non, ça ne sert à rien, n'en prends pas un deuxième. Bah si, j'en ai pris un deuxième. Donc les kits coûtent 99 centimes, quoi. Donc ils sont pas chers du tout, quoi. Alors le deuxième est très joli aussi. Bon, le premier c'est mon préféré. Il n'y a pas à dire, mais... Hop. Les papiers sont quand même jolis aussi. Alors on a cette petite carte. Avec effet bois bleu, mais vraiment très joli. J'adore l'effet bois, donc voilà. Ici, encore l'effet bois. Hop. Ici, du rose. Là, très joli avec des petits cœurs et des espèces de petites taches ici or. Hop. Ici, un peu le même. Et ensuite on a les enveloppes couleur saumon et les petits embellissements à coller qui sont prédécoupés d'ailleurs avec des très jolis dessins. Bon, c'est très fifi, hein, voilà. C'est très très rose. Ici, j'aime beaucoup ici le texte. Happy Birthday, mais sur un effet bois aussi, là, j'aime bien. Là, ça, c'est beau aussi, les petits ballons en forme de cœur. C'est joli tout plein. Hop. Et le dernier est ici. Bon, je vais enlever un petit peu mon bazar pour la suite. Alors, j'ai trouvé également d'autres stickers. Ben, je l'ai même pris en deux fois tellement je l'ai trouvé beau celui-ci. Ben, c'est pareil, c'est encore le thème tropical. Alors, vous savez, c'est ceux qui sont un petit peu en relief et pailletés. Alors, on va peut-être voir mieux celui-ci. Hop. Alors, voilà, donc c'est le thème tropical. Vous avez ici... voilà, avec des petites feuilles tropicales à l'arrière, les petites pastèques. Mais vraiment, j'adore. Le petit flamant rose, bon, voilà, c'est le flamant rose, je crois, qui m'a fait craquer. Le petit flamant rose brillant, là. Puis le beautiful avec le petit ananas dans le coin. Ouais, regardez le love, s'il est pas beau, celui-là. Ah là là. Mmh. Et bien, c'est pour ça que je l'ai pris en deux fois, parce que je crois que le love aussi, il m'a fait complètement craquer. C'est vraiment super beau, quoi. Et voilà. Voilà, donc ça, je l'ai payé 69 centimes. Ah ouais. Ah oui, bon, je pensais que c'était plus cher. Bon, 69 centimes, oui, c'est ça. Alors, ensuite, du papier. Alors, ils appellent ça du papier de raccordement. C'est du papier du déco-patch, en fait. Et si vous n'avez pas vu aussi, c'est pareil, j'ai encore une vidéo avec l'utilisation du déco-patch
pour faire la couverture d'un mini-album. Donc c'est pareil, je vous mettrai en barre d'infos le lien vers ma vidéo. Alors, il y avait plein de modèles. C'est celui-ci que je trouvais plus joli. Alors, on le voit mieux de ce côté ici. Là, c'est celui-ci, en fait. Je vais vous montrer les autres modèles. Peut-être ça vous intéressera. Malheureusement, j'ai pas trouvé tout cela. Parce qu'il y en avait qui étaient jolis. Vous voyez, il y a celui-ci avec des plumes qui est très beau. Et celui-là en noir et blanc aussi, c'était pas mal. Hop, donc, ça coûte 72 centimes. Et donc, j'en ai trouvé un avec l'effet bois. Donc ça, pour faire soit la reliure d'un mini-album, soit une couverture de mini-album, parce que bon, des petits mini-albums, hein, parce que c'est quand même des papiers 40 sur 60, donc c'est pas super grand non plus. Mais en effet bois comme ça, c'est trop beau. J'adore. Hop. Alors ensuite, j'ai trouvé du double face. Hop. Celui-ci, pour faire l'effet 3D. Et donc celui-ci, je l'ai payé 49 centimes. Mais ça va assez vite quand même, parce que ça fait 4 mètres, mais ouais, c'est assez... quand on l'utilise pour un mini-album, ça va quand même assez vite, quoi. Alors ensuite, j'ai trouvé un kit 3D. Hop, c'est ça. Donc en fait, c'est juste de la colle. Hein. Je sais pas pourquoi ils appellent ça un kit. En fait, c'est juste parce qu'il y a un petit embout comme ça, peut-être. Donc ça, c'est pour remplacer justement la mousse 3D, je suppose, parce que c'est pour c'est une colle en 3D qui permet de remplacer la mousse 3D. Donc je vais la tester, je vous dirai ce que j'en pense. Et donc celle-ci, je l'ai payée 1,59€. Hop. Et pour finir, les attaches parisiennes. Bon, je n'ai pas trouvé beaucoup de modèles, mais j'ai trouvé ces deux-là. Celui-ci que je cherchais, que je voulais absolument, que je n'avais pas trouvé la dernière fois. Je suis super contente, il est trop beau. Je l'ai même pris en deux fois parce que c'est pareil, moi j'adore les écritures et ça, je trouve ça... ça passe partout, quoi. Dans n'importe quelle création, je trouve que ça le fait, quoi. Hop, et celui-ci, c'est pour le thank you, j'aime beaucoup. Et des petites fleurs roses, des petits cœurs. Et voilà. Et bien voilà. Voilà pour mes achats actions. Oui, je suis quand même revenue avec pas mal de choses dont je n'avais pas du tout prévu d'acheter. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est action. Bon, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées. Et puis, je vous mets tout ça en barre d'infos, toutes les petites vidéos que je vous ai dit, dont je vous ai parlé dans la vidéo. Et je vous dis à très bientôt et je reviens très très vite pour de nouvelles créations.